Bah, tout est allé très vite. Après, comme je venais d'arriver dans la sélection, j'avais pas encore fait un seul entraînement avec l'équipe. Déjà qu'il y en avait, il y en avait déjà 4 en tribune. Je m'attendais déjà à pas être sur le banc. Et puis, bonne surprise, j'ai été sur le banc. Et au final, c'est moi qui rentre pour remplacer mon coéquipier. Donc, tout est allé très vite. Et en fait, j'ai pas eu tellement de temps de me poser des questions et j'ai essayé de me mettre directement dans le banc. C'était la première fois que j'étais en espoir. Voilà, maintenant je fais. Quand je suis rentré, j'avais de la chance, mes coéquipiers avaient déjà commencé à faire le boulot, il y avait déjà 2-0. Ça a été plutôt facile pour moi. En plus, quand je suis rentré, tous mes coéquipiers m'ont mis à l'aise, m'ont mis en confiance. Et voilà, j'étais directement dans le match et voilà, c'était plus facile pour moi grâce à eux. Ça reste un match international du niveau espoir, donc je pense que ce sera une grande opposition et voilà, faudra pas du tout prendre ce match à la légère, faudra le prendre comme les autres, le prendre par le bon bout et essayer de donner le meilleur et de faire la meilleure des prestations. Bah, je m'attends à tout, que je sois sur le banc, remplaçant ou en tribune, je serai prêt à tout et je me prépare comme si j'allais jouer, on sait jamais et voilà, c'est important. Bah, je pense que c'est la plus belle de mes expériences de ma jeune carrière, en tout cas, c'est quelque chose d'énorme à vivre, surtout quand on la gagne. Et je pense que j'en sors avec beaucoup plus d'expérience, un peu plus de sérénité, car gagner une Coupe du Monde et surtout en jouant la finale, c'est pas rien, même si ça fait pas tout. Après, c'est un bon début, faut servir de ça pour gravir les échelons et travailler encore.